autre moment, nos forts de restitution et de partage, le congrès des jeunes chercheurs organisé par les aventuriers. Une journée formidable où les élèves peuvent présenter leurs travaux comme de vrais scientifiques. Cette journée, nous l'avons préparée pendant un mois. Là encore, les élèves doivent préparer un exposé, mais aucun livre ne leur offrira un support utile. Ils doivent se replonger dans l'histoire du projet et ce n'est pas chose facile pour les élèves. Comme pour le premier exposé, je leur propose des illustrations sur lesquelles ils pourront s'appuyer et des photos et des vidéos, des activités. Nous choisissons et décidons de leur ordre d'apparition. Puis je donne ce storyboard visuel à chaque élève. Je les laisse s'organiser en équipe en leur donnant pour consigne d'intégrer tous les profils d'élèves dans leur équipe, du plus timide au plus éloquent, du plus assuré à celui qui doute tout le temps. Je veux ainsi impulser l'entraide et l'esprit d'équipe. Puis chaque équipe construit sa démonstration, l'expose aux avis et aux critiques de leurs pairs, qui les encouragent aussi.